De retour sur la Web TV du Africa CEO Forum. Nous avons déjà dépassé la demi-journée. Toujours aussi enrichissant avec ces rencontres, on va là à basculer dans une approche beaucoup plus analytique avec un rendez-vous qu'on a appelé The Big Debate. Et ça sera Frédéric Maury, le directeur général délégué de l'Africa CEO Forum, qui va se charger d'avoir ce bel échange et qui va nous présenter notre invité. Frédéric, ça va bien jusqu'ici? Bonjour Eric, ça va très bien. Première demi-journée intense. Oui, tout à fait, avec beaucoup de monde à l'ouverture ce matin. On avait 1500 personnes qui étaient là. D'ici demain soir, on attend quasiment 1800 personnes. Donc voilà, je crois que tout le monde est très heureux de se retrouver après 2 ans de pandémie et que ça se sent dans l'ambiance qu'on voit ici tout autour de nous. Effectivement, il y a toute une atmosphère là dans cet espace d'ailleurs. Une nouveauté aussi dans l'approche. On parlera des innovations, ce n'est pas l'heure pour l'instant. Un invité a accepté de vivre cette séquence de Big Debate. Aller plus en profondeur, tu vas nous présenter, je vais te laisser, on se retrouve juste après. Merci Eric, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Frédéric Maury, je suis directeur général délégué de l'Africa CEO Forum, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui et je reçois dans cette série The Big Debates un invité de marque, en l'occurrence CC Comé, qui est donc PDG de Koira Holding. Donc Koira Holding, c'est un groupe diversifié malien, présent, actif aussi en Côte d'Ivoire, qui est à la fois présent dans l'hôtellerie, dans l'agro-industrie, dans beaucoup de secteurs d'activité. On reviendra un petit peu plus tard sur ce groupe et sur votre parcours. Mais avant d'en arriver là, je veux bien, parce que vous connaissez bien l'Africa CEO Forum, vous étiez déjà là en 2018, vous étiez là même les années précédentes, un petit peu votre sentiment par rapport à ce retour en physique. L'ambiance ici, les gens, voilà, comment vous trouvez ce retour de l'Africa CEO Forum? Merci beaucoup Frédéric, je connais très bien l'Africa CEO Forum dont j'ai participé à la première édition à Genève. Ça fait, je pense aujourd'hui, ça fait 10e anniversaire de l'Africa CEO Forum. Aujourd'hui, à l'ouverture, ça a été une très grande réussite avec beaucoup du monde. Et chapeau au groupe Jeune Afrique, chapeau à l'organisation. Ça a été vraiment un bon événement que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie pour cette organisation exceptionnelle. Merci CC et merci d'être un fidèle de l'Africa CEO Forum, sachant que c'est en effet notre 10e anniversaire, puisque la première édition annuelle de l'Africa CEO Forum avait eu lieu en novembre 2012 à Genève à l'époque. Maintenant, on est à Abidjan. C'est la 3e édition physique à Abidjan. Et alors, on est heureux parce que dans la communauté des membres de l'Africa CEO Forum, on a des gens que nous, on appelle souvent les dirigeants d'entreprises familiales, mais qui en fait sont des gens, des Africains, et il y en a beaucoup, qui sont des self-made men, c'est-à-dire des gens qui sont partis de rien ou de pas grand-chose et qui ont réussi à construire en 20 ans, 30 ans, 40 ans, leur propre aventure entrepreneuriale, leur propre fortune, leurs propres activités, et ce sont des exemples que moi je trouve toujours intéressants. C'est pour ça que CC, j'aimerais bien que vous racontiez aux gens qui nous regardent en ce moment un petit peu votre histoire. Par exemple, vous venez d'un village au Mali, c'est ça? Oui, merci beaucoup Frédéric. Je viens d'un petit village au Mali qui s'appelle Koira, qui porte le nom de mon groupe, et je suis parti de Koira en 1984. Et je suis arrivé à Bamako. J'ai fait le petit aide-maçon. On me payait 500 francs par jour. J'ai travaillé pendant un mois pour avoir 15 000 francs CFA. J'ai pris cet argent pour faire mon transport pour arriver à Abidjan. Et arrivé à Abidjan, il me restait 5 000 francs que j'ai utilisé cet argent pour aller payer les petits matériels de cirage. J'ai commencé par cirer chaussures dans les rues d'Abidjan pendant un certain nombre d'années. Et puis après, j'ai commencé... Là, vous avez quel âge à peu près quand vous êtes dans les rues d'Abidjan? 16 ans. Ah oui, vous avez 16 ans. 16 ans. Ok, donc vous avez arrêté l'école finalement vers 15 ans, c'est ça? Voilà, j'ai arrêté l'école. Au Mali, on appelle ça 7e, 8e, qui correspond ici au 3e année, et 3e au 4e. Donc, quand on est 8e, c'est 8 ans d'école au Mali. On compte chaque année, première année, deuxième année jusqu'à 8e année. Après avant le bac, c'est-à-dire il me restait une année pour faire le bac. Mm-hmm. J'ai abandonné l'école pour arriver ici en 1984 et puis faire le cirage. Après le cirage, je me suis mis dans le petit commerce en vendant des livres par terre, payer les livres avec les élèves.
pendant au moins il n'y a pas d'entrée. Et puis, je vendais ce livre-là dans le marché d'Adjamé. Et après, on a commencé à aller prendre de la marchandise au Libéria, la bonneterie. De là ? La bonneterie. La bonneterie, voilà, okay, au Libéria. Au Libéria, que je vendais toujours au marché d'Adjamé. À la suite de problèmes politiques au Libéria, la guerre civile au Libéria, dans les années 90, on s'est orienté vers Lomé. Parce que nos fournisseurs qui étaient au Libéria, ils se sont éparpillés. Il y en a qui sont allés à Lomé, il y en a qui sont allés à Conakry, il y en a qui sont allés à Freetown. Mais moi, je continuais à aller à Lomé en approvisionnant avec les fournisseurs indiens qui étaient basés à Lomé. Et on a commencé ça. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de ressources. Et à Djamé marché, un coup, il y a eu le marché qui a pris du feu. Toutes mes économies sont parties. Il ne me restait que 350 000 francs CFA. En ce moment, le billet d'avion coûtait 50 000 francs pour aller à Lomé. Donc, j'ai pris le billet d'avion Air Afrique pour aller voir mon fournisseur à Lomé. Avec mon passeport qui avait un côté qui était déjà abîmé, pour lui dire que moi, je suis découragé parce que j'ai tout perdu dans l'incendie du marché. Je veux qu'il m'aide pour que j'aille immigrer aux États-Unis. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, non, j'ai tout perdu. Et les gens ne savent pas parce que j'avais de la marchandise, plus d'un milliard. Tout est brûlé. Il ne me reste que 350 000 francs. À part ça, il n'y a rien. Et il m'a dit, bon, qu'il a compris. Chaque jour, à partir de 13h, il va aller faire le test. Il a pris mon passeport, il l'a mis dans son tiroir, il est parti. Le soir, quand il est venu, il m'a remis mon passeport. Il m'a dit, il faut retourner à Abidjan. Et je ne lui ai pas demandé pourquoi vous voulez que je retourne à Abidjan. Il ne m'a rien dit. J'ai pris l'avion de Air Afrique, 22h. En ce moment, on appelait RK-101, qui faisait Brazza, la côtière, quoi, Brazza, Cotonou, Lomé, Abidjan, Bamako, Dakar, New York. Donc, je suis arrivé ici vers les 23h. Le temps de quitter à l'aéroport, je suis arrivé chez moi à la maison, il faut compter 2h du matin. Et c'était un vendredi. Samedi étant férié, dimanche étant férié. Lundi, je me lève, je vais au travail. Et mardi, il y a la banque Biao qui m'a appelé pour dire, ah, on a reçu un transfert de Lomé pour ton compte de 10 millions de francs CFA. Sans même l'appeler, ça c'était le mardi. Mercredi, il y a l'aéroport qui m'a appelé, le magasin Air Afrique avec la douane, pour dire, monsieur Koumé, il faut que vous venez parce que vous avez inondé notre magasin de marchandises. Il dit, mais comment ? Il dit, oui, que vraiment, on a reçu tant de marchandises qui vous appartiennent. Il faut que vous venez pour enlever. Donc, c'est ainsi que j'ai pris la peine de l'appeler pour dire, mais je ne comprends pas, il y a la banque qui m'a appelé pour dire que j'ai reçu 10 millions. Et aussi, au niveau de Air Afrique, on m'a dit qu'il y a des marchandises, oui, c'est lui, parce que au niveau d'Abidjan, il y en a qui l'ont menti pour dire que le fait a pris le marché, ils ont tout perdu, ils ne veulent pas le payer. Or, moi, il n'a pas un rond avec moi. Et j'ai été correct avec lui. Donc, il sait que le marché est brûlé. Les gens ont besoin de la marchandise. C'est pour cela qu'il a fait ça. Donc, pour pouvoir des douanes. Comme il sait que je n'ai pas de ressources, donc c'est pour prendre les 10 millions pour payer les droits des douanes. OK. Entre-temps, il y avait une femme douanière aussi qui partait au Brésil, qui m'a confié de l'argent qu'elle encaissait au niveau du marché d'Adjamé. Et quand elle est partie, quand le feu a brûlé le marché, ces billets-là, il y a une partie qui a été brûlée. On appelle ça les billets mutilés. J'ai pris ça pour aller avec ça au niveau de la BCAO. Ils ont tout échangé. Et comme ce n'est pas pour moi, je suis allé donner à la dame pour dire, ah, voilà ton argent. Elle m'a demandé, non, moi, j'ai tout perdu. Il me reste que 350 000. Elle me faut garder l'argent par devant toi. Je dis, non, non, non. Je préfère que vous preniez votre argent. Moi, je vais aller me débrouiller parce que j'avais l'idée pour aller aux États-Unis. Donc, vous vouliez toujours aller aux États-Unis à ce moment-là ? À ce moment-là. Oui. Donc, j'ai remis l'argent de la dame. Elle était douanée. Donc, quand la machine est arrivée de l'aéroport, elle allait voir son patron.
pour lui expliquer ce qui m'est arrivé. Donc la douane ayant pitié, à ce moment, c'était au temps de Fouy-Boigny, ils m'ont fait une faveur en me donnant une exonération sur 3 mois pour compenser tout ce que j'ai perdu. Okay. Donc voilà comment... Comment vous avez réussi à finalement vous sortir de la difficulté de donc, et à partir de ce moment-là... Au bout de 3 mois, ouais. J'ai oublié que le feu a pris du marché. Ouais, c'est ça. Donc, et à partir de ce moment-là, vos activités ont continué à se développer. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on fait dans cette vie-là, il faut être correct vis-à-vis de tes partenaires, il faut être correct vis-à-vis de l'État, ouais. Il faut être correct tout ce que tu fais. Ouais. Ne pas gruger les gens de gauche à droite. Voilà, quand vous dites correct, c'est honnête, c'est ça? Oui, c'est honnête dans ce qu'on fait, c'est ça? Être honnête de tout ce que vous faites. Parce que c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire c'est quoi, vous, votre conseil un peu, parce que finalement vous êtes parti d'un village, oui. Vous n'aviez pas d'argent, vous avez commencé à en gagner, vous avez tout perdu, puis vous avez refait, etc. Donc c'est quoi Il faut être honnête. Dans la clé du business, ou pour moi, la clé du succès, c'est d'être honnête. Quand on est honnête dans le business, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des moments difficiles. Mm-hmm. Mais vous allez vous en sortir. Mm. Mais quand vous pensez que vous êtes fort en grugeant vos partenaires, mm-hmm. en trompant vos partenaires financiers, en prenant l'argent avec les fournisseurs ou les banques et vous ne voulez pas payer, vous n'allez pas aller loin. Okay. Vous n'allez pas aller loin. Après on dit souvent que quand on fait des affaires en Afrique, parfois, il faut être un petit peu à la limite de la légalité quand même, non? C'est-à-dire que parfois, on triche un peu avec les règles. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que moi, les gens qui connaissent mon histoire, alors tout ce que nous on fait, moi particulièrement, tout ce que je ne peux pas payer les droits de douane, je n'amène pas. Okay. Il y a des produits où tu ne peux pas payer les droits de douane. Uh-huh. Parce que quand vous payez les droits de douane, vous ne pouvez pas vendre. Okay. Donc tout ce que moi, je ne peux pas payer les droits de douane, ouais. Je n'amène pas. Okay. Ça, c'est un. De deux, je ne regarde pas dans la poche d'un concurrent. Mm-hmm. C'est-à-dire un concurrent, tout ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Ok, vous respectez la concurrence. Voilà, vous je vous respecte mêlez pas. La concurrence. Voilà, vous n'essayez pas de les détruire. Non, non, jamais. Ouais. Je m'en fous de ce toujours, que vous faites. C'est toujours dans le respect voilà. En fait, des autres. Des autres. Exactement. Alors, aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe. On peut dire que vous êtes un des entrepreneurs maliens qui a le plus réussi. Il y a quelques entrepreneurs au Malien qui sont souvent des self-made men, d'ailleurs qui se sont fait eux-mêmes dans le commerce souvent, et qui sont des gens qui ont réussi. Donc aujourd'hui, votre groupe, il est présent dans l'hôtellerie, c'est ça? Vous avez 2 hôtels à Bamako, un hôtel en Côte d'Ivoire et des projets, c'est ça, d'hôtellerie encore. Et vous avez d'autres activités dans l'agro-industrie, toujours dans le commerce, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous, les gens... Je pense que notre activité, c'est l'hôtellerie. Non. L'hôtellerie, je suis rentré dedans par aider l'État malien. Parce qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations au Mali. D'accord. Et le président Alpha Omar Konaré mm-hmm. a fait une visite ici mm-hmm. pour nous en rencontrer, pour dire que le Mali a besoin... D'hôtels. Pour accueillir les délégations les de la Coupe ouais. d'Afrique des Nations en 2002. Je suis allé et j'ai investi dans un petit résidence qu'on appelait résidence Comé mm-hmm. à l'ACI. Mm-hmm. Quand le président a lancé l'appel, mm-hmm. quand je suis allé, les organisateurs de COCAN qui s'occupaient de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est eux qui devraient donner l'exonération. Mm-hmm. Je me suis adressé à eux. On était à 12 mois de l'événement. Donc, ils se sont dit que non, on ne va pas lui donner l'exonération parce que si on lui donne l'exonération, il ne pourra pas finir l'hôtel. Donc, or, notre exonération est uniquement pour la CAN. Ok. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Okay. Je n'ai pas pris leur exonération. J'ai fait mon hôtel. Mm-hmm. Au bout de 8 mois, on a fini. Quand l'hôtel a fini, ils sont venus pour visiter. C'est quand ils ont visité, ils se sont rendus compte. Donc, ils voulaient réserver. Moi aussi, à mon tour, j'ai dit non, je ne peux pas vous donner mon hôtel parce que vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas donné les exonérations parce que vous pouvez me donner des exonérations conditionnelles. Vous dites qu'on te donne des exonérations pour faire l'hôtel. Si l'hôtel ne finit pas, vous allez nous payer les droits de douane. Mais dès que je suis arrivé, vous avez dit non,
il ne va pas finir son hôtel, on lui donnera l'exonération. Mmh. Pas de problème. Mmh. Moi, j'ai fait mon hôtel a fini, je ne peux pas aussi vous donner l'hôtel. Mmh. Ça ne peut pas rentrer dans, dans le cadre de la COCANE. Mmh. Donc, ils ont tout fait, je n'ai pas accepté. Okay. L'hôtel est resté comme ça. Mmh. Quand les gens de la FIFA, CAF, ils sont arrivés, puisque les autres hôtels, il y a des équipes qui sont venues pour chercher, donc eux ne se sont pas levés tôt. Tous les hôtels sont... Puisque au Mali, il n'y avait pas beaucoup de récipients hôteliers. Donc, tout est plein. Il y avait un membre de la FIFA qui dit qu'il ne quitte pas dans l'hôtel Salam, qui est devenu Azalea aujourd'hui. Et il est resté à la réception presque 3h, 4h, puisqu'il n'y a pas de chambre. Donc, son chauffeur qui l'a accompagné dans l'hôtel, il a dit, écoute, viens, il y a un nouveau hôtel qui est fait dans la CI, je vais vous emmener, vous allez regarder. Dès qu'il est venu, il est rentré dans l'hôtel, il a dit Dieu merci. Il a pris ses bagages, il est venu chez nous et il nous a ramené toute la FIFA avec Blatter, Platini, le président de la CAF. Mmh. Donc toutes les délégations officielles ont logé dans la résidence commune pour la CAN de 2002 au Mali. Okay, okay. Donc voilà où l'histoire de résidence... C'est comme ça que ça a commencé. Mais au début, ce n'était pas vraiment une vraie volonté, en fait, finalement. Mais comme je ne connaissais pas... Et vous ne connaissiez pas, c'est ça. J'ai confié à une dame, une malienne, pour la gestion de ce complexe. Pendant la CAN, on a eu beaucoup d'argent. Après la CAN, toutes les ressources sont parties, puisque eux aussi, ils ne connaissent pas, ils ne cherchent pas de clients. Au bout de 6 mois... Même les employés, ils n'arrivent pas à payer. Donc, c'est ainsi que l'hôtel de l'amitié fermait pour la rénovation. Donc, il y avait un opérateur économique que je connaissais qui est venu me voir pour dire, « Ah, écoute, il y a l'hôtel de l'amitié qui va fermer, c'est accord. Leur DG, c'est un bon DG, il a des bonnes connexions. Je pense qu'il faut prendre contact avec lui pour gérer ton hôtel. Vous allez faire une bonne équipe. » Donc, c'est ainsi que j'ai pris contact avec lui. Quand il est venu regarder, automatiquement, il a accepté. Il a pris l'hôtel. Mais Frédéric, je t'assure qu'au bout de 6 mois, résidence commune, tu ne peux pas trouver chambre au niveau de résidence commune. Donc, c'est surtout à son initiative, comme l'hôtel marchait, sans même penser au groupe, on a payé d'autres terrains pour pouvoir agrandir l'hôtel. Okay. Donc, c'est dans le cadre de cet agrandissement que j'ai un ami... qui était directeur de Maesland, la compagnie maritime, et que les gens de Radisson, puisque Radisson avant, c'était Radisson SAS, qui était, c'est une compagnie, il appartenait à la compagnie Airline SAS. Ouais. Donc, eux, ils cherchaient à se développer dans la zone. Et ça trouvait qu'il y avait Protea, qui aussi était venu à Bamako, qui avait vu notre bâtiment en construction, et qui nous ont contactés. Et je suis allé même en Afrique du Sud avec mon avocat pour croiser les gars de Protea. Okay. Donc, au moment qu'on devrait signer avec Protea, ils nous ont dit qu'il faut trouver un cabinet d'études pour voir la faisabilité même du marché. Okay. Donc, le cabinet qu'on a pris, c'était un cabinet londonien qui est venu pour faire les études. Quand le monsieur a fini de faire les études, il m'a croisé. Il m'a dit, monsieur Comé, vous voulez que je vous dise la vérité? Je dis oui. Il dit, bon, en termes de clientèle, les Sud-Africains, ils sont dans les mines au Mali. Or, les mines, ils ont leur logement dans les mines ou ils ont des appartements en ville. Donc, moi, je ne pense pas que Protea va être une bonne affaire pour vous. Et du coup, vous avez signé avec Radisson, non, c'est ça? Non, avant, il dit, bon, je peux vous conseiller deux groupes. Ouais. C'est-à-dire deux groupes qui sont nouveaux, qui veulent aussi se développer en Afrique, etc. C'est et là qu'il m'a parlé de Radisson SAS. Et ensuite, du coup, depuis, vous avez construit aussi le Radisson d'Abidjan, voilà, que tout le monde doit connaître ici, notamment tous les gens qui sont ici, c'est puisqu'il est situé juste à côté de l'aéroport. Donc, êtes devenu un acteur de l'hôtellerie important. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet aussi qui est assez important et qui vous touche personnellement. C'est que, voilà, en 2015, le Radisson de Bamako donc, a été victime de ce qui, à l'époque, commençait à se développer beaucoup dans la région et qui, malheureusement, ça a continué à se développer depuis, c'est-à-dire
la radicalisation et le terrorisme. Donc c'est un souvenir évidemment difficile pour vous parce que voilà, c'est un épisode compliqué pour un propriétaire d'hôtel d'être victime d'un acte terroriste dans son hôtel. Depuis, il y a eu d'autres événements de ce type, malheureusement, au Burkina Faso ou dans d'autres pays, au Niger aussi. Donc après, sans revenir sur cet épisode lui-même, qui j'imagine est un épisode difficile pour vous, mais d'avoir un regard un petit peu sur l'évolution du Sahel, du Mali, du Niger, du Burkina, avec cette évolution qui paraît comme ça, de l'extérieur, pour moi, assez inquiétante. Monsieur Frédéric, merci beaucoup, parce que ça, ce souvenir, il est douloureux pour moi, parce que quand vous dites que je pense, mon cœur saigne, parce qu'on a perdu des collaborateurs et puis des clients, la vie humaine n'a pas de prix. Le matériel, on peut la perdre, on peut l'avoir. Mais quand tu perds un être humain, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est une situation vraiment qui est douloureuse pour moi. Malheureusement, c'est arrivé. C'est dans mon hôtel, ça se fait. C'était la volonté de Dieu. Mais je vous assure que l'investissement au Sahel, ce n'est pas facile. L'insécurité au Sahel, c'est un vrai problème. Et c'est un réel problème qui nous préoccupe au Sahel. Et jusqu'à aujourd'hui, on a d'autres établissements. On dort d'un œil. On a beaucoup de dépenses. On paye les scanners. On paye les militaires. Pour surveiller. On paye les sociétés de gardiennage. Mmh. On a même des gardiens locaux qui surveillent. On a des caméras un peu partout. Mmh. Donc vous voyez que les costs... En termes de sécurité. En termes de sécurité, ça représente environ 15 à 20% de notre chiffre d'affaires au jour d'aujourd'hui. Donc la sécurité, c'est vraiment un problème dans le Sahel. Mmh. On espère que les États vont trouver des solutions parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. De développement. Tout à fait. Voilà. Donc, et alors, c'est intéressant parce que justement, vous venez d'un village, vous disiez au début, vous venez d'un village, j'imagine, un petit village, sans doute, où les gens sont pauvres, j'imagine. Vous ne venez pas d'une grande ville, vous n'êtes pas d'une famille riche, etc. Donc, comment vous expliquez finalement ce phénomène au Sahel, que finalement, beaucoup de jeunes, notamment, qui viennent sans doute peut-être de villages comme celui d'où vous venez, aient évolué maintenant pour sombrer dans la violence ou dans le terrorisme. Comment vous expliquez cette évolution? Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour arriver à ce que les choses se passent mieux? Frédéric, le monde a changé. Nous, en notre temps, l'homme avait honte de dire que telle personne a volé. L'homme avait honte pour dire que telle personne allait tomber sur telle personne pour prendre son bien. Or, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les jeunes, ils veulent la vie facile. Ils veulent l'argent, c'est ça que ça veut dire. Ils veulent l'argent facile. Donc, ces terroristes, ils jouent sur eux. Ça se fait même dans mon village que vous dites. Ils viennent voir les jeunes. Ils leur donnent 300 000 francs CFA. Ils leur donnent une moto. Ils leur donnent une calash. Dès l'instant qu'ils s'entraînent, ils n'ont plus ces 300 000. Mais ils se débrouillent eux-mêmes pour avoir de l'argent. C'est-à-dire en volant des troupeaux, ouais. En volant des bœufs, ouais. des animaux des villageois, ou en braquant même les passants pour avoir de l'argent. Donc voilà, c'est un phénomène qui est vraiment difficile à éradiquer. C'est vraiment difficile. C'est difficile à éradiquer et ça semble continuer à se développer. Est-ce que vous êtes inquiet pour le futur du Sahel ou quand même c'est votre pays, le Mali? On est beaucoup inquiet. On est beaucoup inquiet parce que il faut pour pouvoir combattre. Pour moi, c'est pas les fusils qu'on prend pour combattre le terrorisme. Il faut développer les zones. Il faut donner l'emploi aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays-là. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays-là qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi. Donc, dès que les terroristes viennent les démarcher, ils tombent dans l'air mais facilement parce qu'ils veulent le gain facile. Donc moi, je pense qu'aux États, ils doivent trouver des solutions pour pouvoir trouver de l'emploi à ces jeunes-là, pour quitter dans la main des terroristes. Et une des solutions, c'est justement ce dont on parle pendant cet événement, c'est-à-dire l'industrialisation, le fait de développer de l'industrie locale, peut-être d'importer un petit peu moins des choses de l'extérieur, notamment dans le domaine alimentaire, d'essayer de produire davantage dans le domaine alimentaire. Vous
Vous êtes aussi un acteur économique présent en Côte d'Ivoire, hein, vous avez des activités ici, vous passez une partie de votre temps en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire vous paraît être un pays qui est sur la bonne voie de sur ces sujets-là? Ici, ça va être très difficile parce que le terrorisme, il faut avoir les gens locaux. Or ici, les locaux, la plupart des locaux, l'État leur donne de l'emploi. Les différentes sociétés leur donnent de l'emploi. Ils ont quelque chose à être occupé que de prendre fusil, d'aller dans le terrorisme. Ici, ça va être très, très difficile. Par rapport au Mali, au Burkina, au Niger. Quand vous voyez les terroristes, on ne peut pas indexer une ethnie, mais il y a des ethnies en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. C'est eux qui sont nombreux dans le terrorisme. Ok, c'est d'accord. Eux qui sont nombreux dans le terrorisme. Ok. Donc, l'État aussi, en faisant... ils ne font pas le tri. Pour eux, tous ces ethnies-là, c'est des terroristes. Uh-huh. Donc, ils s'apprennent ces ethnies qui ne sont même pas terroristes. Ils vont s'ajouter aussi aux terroristes. Uh-huh. Okay. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, ici, ça va être très, très difficile. Parce que c'est pas les mêmes... ils n'ont pas les mêmes cultures, ni les mêmes comportements. Et ici, l'État travaille et tout le monde a quelque chose à faire. Ouais. Donc voilà la différence. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, donc, vous avez en effet un hôtel, vous avez aussi ouvert, je crois, une usine, c'est ça, qui fait du lait ou des choses comme ça. Donc vous développez de l'industrie locale, c'est ça? Oui, c'est ça. On a on vient d'ouvrir une usine de lait concentré sucré. Et aussi, on a une société de BTP qui fait des constructions de maisons, et ainsi de suite. Donc, ici, il y a plusieurs sociétés qui donnent de l'emploi aux locaux. Donc, ce système de terrorisme, je pense que ça ne peut pas arriver ici. Ça peut arriver. Puisque l'État, aussi le renseignement, par exemple, je reviens en arrière pour dire le Radisson, l'attentat du Radisson. Nous, on avait l'information. On a donné l'information à l'État. Comme quoi il y avait des menaces. Comme quoi il y a des menaces. Mmh. Mais l'État ne prend pas au sérieux. Mmh. Or ici, quand vous dites qu'il y a des menaces, l'État, il prend au sérieux. Mmh. Ils viennent là-bas, ils viennent contrôler, ils font une surveillance. Voilà la différence, Frédéric. Ok. J'imagine que c'est aussi pour ça que finalement beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés travaillent en Côte d'Ivoire, en fait, travaillent, vivent et développent leurs activités en Côte d'Ivoire. Je voulais aborder pour terminer juste un dernier point, finalement revenir sur cet événement, l'Africa CEO Forum, qui a commencé ce matin, qui se terminera demain soir, donc à Abidjan. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux jours en particulier? C'est-à-dire, vous venez, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un fidèle, vous venez ici depuis 10 ans. Finalement, pourquoi est-ce que vous revenez à chaque fois? C'est pour faire quoi finalement? Merci beaucoup. Quand je reviens au Africa CEO Forum, d'abord, c'est les contacts. Je raconte beaucoup de personnes. Il y a des gens qui veulent me rencontrer. Ce n'est pas facile de me voir. Mais ici, à Africa CEO Forum, ils ont facile. On sait que vous êtes là. On sait que je suis là. Donc, on cause et on partage des cartes de crédit, des cartes de visite. Et c'est la même chose que moi aussi. Il y a des gens que je veux voir depuis longtemps. Je ne peux pas prendre mon avion pour aller aux États-Unis, qui sont ici, à Africa CEO Forum. Oui. C'est l'occasion de les rencontrer. Oui. Donc, oui. C'est pour te dire que cet événement... Oui. Je souhaite que vous continuez de l'organiser. Ouais. C'est un événement d'abord de rapproche entre les CEO. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de CEO. Ça fait plus d'une année que je ne les ai pas vus, mais j'ai tous rencontré ici à Africa CEO Forum. Bah oui, parce qu'on n'a pas fait d'événement depuis 3 ans maintenant. Voilà, donc, il y en a beaucoup, d'autres pays, pas forcément du Mali et de la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays, c'est ça. Puisque cette année, en plus, on bat encore une fois des records, puisqu'on a des participants qui viennent de 75 pays en tout. Donc, en fait, on a une diversité encore plus importante que ce que vous disiez. 75 pays. 75, ouais, on a 1800 participants venant de 75 pays différents cette année. Donc on essaye d'attirer le monde à Abidjan et on est heureux de vous avoir chaque année. On espère qu'on vous aura encore dans 10 ans. Non, il n'y a pas de souci. Quand vous organisez pendant même 10 ans, 20 ans après, je serai là. Parfait. Avec plaisir. C'est très gentil. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien, Monsieur Comé, de nous avoir un petit peu raconté votre histoire, qui est l'histoire d'un entrepreneur malien qui a fait fortune avec des hauts et des bas, mais qui a fini par créer son propre parcours. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette Web TV et qui vont continuer à nous suivre puisque les programmes vont continuer. Merci à tous et à très bientôt. Merci Frédéric.